scanner à l'aller. Oui. Pour pouvoir passer. Et au retour, il fonctionne pour le retour, vous le scannez aussi. D'accord. Vous ne les perdez surtout pas. Il ne faut plus que 7 minutes pour relier la vallée du Laurent au domaine de Peyragudes. La communauté de communes a investi 10 millions d'euros pour que le Skyval devienne un accélérateur économique dans tout le territoire. Commerce, services, immobiliers vont bénéficier de ce nouvel élan avec bien sûr les emplois qui vont à la clé. Dans quelques semaines, dans quelques jours, va démarrer la construction d'un hôtel 4 étoiles en bas de Valais. Jamais cet hôtel ne se serait réalisé s'il n'y avait pas eu cette infrastructure, cette liaison entre le bas de Valais et le pied des pistes. Déjà, le chiffre d'affaires d'hiver il devrait monter au moins de 20%. C'est ce qui s'est vérifié dans toutes les vallées. L'été, évidemment, on va développer le vélo. La station fait beaucoup d'efforts déjà sur le développement des pistes VTT. C'est très important. Et on va arriver peut-être à faire un 4 saisons au bout de quelques années. Voilà. 10 emplois à l'année seront nécessaires pour faire fonctionner le Skyval. Ce télécabine de 10 places du constructeur français Poma franchit 700 mètres de dénivelé de 900 à 1600 mètres. Je crois que c'est un rapprochement géographique indéniable, mais c'est surtout psychologiquement une facilité d'accès à la station. Aujourd'hui, on sait qu'un des freins au déplacement pour une journée de ski ou un séjour, c'est le trajet routier, notamment la crainte de devoir chaîner, d'avoir des conditions de route un peu difficiles pour des gens qui ne conduisent pas toujours en montagne. Donc c'est aussi un gain psychologique pour se dire la montagne est plus accessible, je mets moins de temps, mais en même temps j'y vais de façon beaucoup plus sûre. Et surtout, ce sera beaucoup moins de voitures, de bus et de parking. Bref, une empreinte carbone diminuée. Les premiers utilisateurs, quant à eux, sont ravis. Très bien, impeccable. Belle vue, très sympa. Le personnel est charmant, vraiment. Ils m'ont aidé à l'aller et au retour. Ça, c'est très important. Le Skyval est équipé de 27 cabines pour l'instant. L'an prochain, ce chiffre passera à 60.